Yo tout le monde, c'est Keldan, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de customisation de la Pegasi Vortex. Donc c'est la nouvelle moto qui vient de sortir. Donc on est le 25 octobre. Donc on va aller la customiser. Mais avant ça, je vais vous faire écouter le bruit du moteur quand on démarre. Il est juste magnifique. Alors, écoutez. Juste incroyable. En plus, je kiffe le bruit du de la moto, tout simplement. Elle fait un bruit de moto de course et franchement, il est fantastique. Donc, on va aller la customiser. On va voir ce qu'il y a un peu à customiser. Donc, on la répare. Blindage, je vais pas payer parce que voilà, j'ai 8 millions, mais bon, quand même. On va pas dépenser inutilement. Donc, le cadre, c'est ça là. Là, c'est en noir mat. Là, en chrome. Et là, en gravure, ah ouais, pas mal. On va mettre en gravure, ça fait stylé. Garde-boue avant. Il y a un pélo qui fait que de m'envoyer des messages, c'est chiant. Sans un petit rallongé. Ah ouais, jusqu'à l'arrière, c'est pas beau. Après, couleur secondaire. Un tout petit. Et oh là là, garde-boue avant, prise d'air. Je sais pas si on met avec la prise d'air ou sans. On va mettre avec, ça fait stylé. Les phares. Ah là là, ou la bulle. Magnifique. Protection arrondie. Donc ça. Protection pointue. Plaque pour numéro. Ah ouais, ça fait stylé. Mais bon, il n'y a pas de phare, j'aime pas trop. Après, phare alien. N'importe quoi. Et là, phare secondaire alien. Pourquoi secondaire? Là, il y a des petits phares. Là, il y a un trou. On va mettre ça pour voir ce que ça donne. Et ça va sûrement se jouer dans les couleurs secondaires. Ça fait bizarre en tout cas la bulle à l'avant. Siège, ah oui, siège. Donc là, t'as au moins deux places. Ah là, c'est dégueulasse, ça te rentre dans le cul. Ou comme ça que c'est magnifique aussi. Avec le petit phare là. Ah non, mais c'est comme la Akuma. Sauf que les petits phares sur les côtés. Au passage, je kiffe les petits phares à l'arrière. Ils sont longs, ils sont plutôt pas mal. Ouh là là, réservoir. Le petit ou le gros là. Magnifique. Ensuite, moteur, bloc moteur. Écoutez-moi ce bruit. Magnifique. Donc, couleur principale. Je trouve pas ça très beau. Couleur secondaire. Donc c'est noir. Ou couleur secondaire intense. On va mettre couleur secondaire intense. Moteur à fond. Carénage. Ah ouais, déjà j'aime bien de base. Ça fait classe aussi. Ou en carbone. On va quand même laisser du vert, donc je sais pas lequel prendre. On va mettre lui, allez. Oh, le perso qui se. Mais comment il fait pour accélérer sans les mains? Voilà, échappement. Ah, je préfère quand même ceux de base. Explosif, il n'y en a pas. Klaxon, on va écouter juste le bruit du klaxon. Normal. Éclairage, phare, xénon. Motif, ah, parce qu'il y a des motifs. On va devoir finir les trucs importants. Oh, il n'y a pas de plaque sur cette moto. Voilà. Turbo. Pas besoin. Roue, alors type de roue. Ah, elles me font penser un peu à elle. Je pense qu'on va les mettre. En plus, c'est noir, c'est magnifique. Roue arrière. Voilà, comme ça. Ensuite, couleur, on verra après. Pneu custom. L'épreuve des balles. Et fumée de pneu, on verra sûrement après. Voilà, donc dans les motifs, alors bande classique rouge, jaune, après il y a des, oh c'est joli, motif tribal noir, bande classique verte. Bon, je suis pas fan des bandes classiques. Oh ça pourrait faire KTM. Oh magnifique. Oh, on va voir bleu violette les bandes après ça. Ça, je suis pas vraiment en kiff. Bande
Cyan. What? Ça va, ça le fait. Après, motif blanc et vert, ça peut être pas mal. Vert tropical, et c'est tout. Je pense que déjà, dans les peintures, on va mettre la couleur principale. On va mettre du noir déjà. Déjà, truc de base. Et en secondaire, ben, c'est déjà du noir. Donc, alors, motif, oui. Ah, rouge, ah oui, ça peut le faire, mais je suis pas vraiment en kiff, comme je l'ai dit. Ah, vert aussi, ça peut être, comme c'est un peu la bulle alien, là, ça peut le faire. Puis avec les jantes vertes, ça peut être pas mal. Oh, voilà, donc KTM, sauf qu'il faudrait mettre du blanc. Du coup, en primaire. Ouais. Ah, ça, c'est beau, je trouve. Ah, ça aussi, c'est beau. Ah, je sais pas quoi mettre. Juste peinture secondaire. Ouais. Ça fait même dans les phares. Ah, c'est beau. Ah, j'aime bien. Du coup, attends, on pourrait mettre du rouge. Rouge, c'est pas mal. Il faudrait trouver un motif rouge. Oh, c'est vraiment pas mal. Ça doit être lumineux, je pense. Jack Roux, c'est pas mal. Motif. Rouge, ouais, ça le fait. Hein. Ah, 4. Ah, ça c'est nickel, c'est beau. Ça le fait bien. En plus, à la roue arrière, là, on voit un petit truc rouge. Ça rappelle un peu les couleurs. Au début, je voulais mettre ça, je pense. Mais on va mettre le rouge. Je kiffe. Ensuite, secondaire, c'est bien rouge. Mais est-ce que blanc, ça le ferait pas aussi? Ah ouais, blanc. Ah, blanc, c'est pas mal hein, quand même. Blanc, je trouve que c'est vraiment pas mal. On garde les phares rouges ou... Non, on va les mettre blanc. On va mettre blanc. Comme ceci. Ensuite, les roues. Couleur des roues. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Rouge, ce serait pas mal. Ah ouais, rouge, ça va. Franchement, rouge. Est-ce qu'il n'y aurait pas du... Genre blanc. Blanc, ouais, ça le fait aussi. Ouais, allez, on va mettre blanc. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez belle. En tout cas, moi, je la trouve vraiment magnifique. Avec les petits phares à l'avant. La petite bulle, là, que ça fait des petits phares blancs. Qu'on peut changer la couleur comme on veut. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et voilà. Donc, le motif, je le trouve magnifique. Dites-moi si vous la trouvez belle en commentaire. Voilà, on va peut-être la tester un peu, rouler avec. J'adore quand on freine à l'arrière, les petits phares, là. Magnifique. C'est joli, hein. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez belle. Mettez-moi une note au passage, hein, ce serait pas mal. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et ciao.